bénissons sur terre. Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur un enfant de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel, Dieu des armées célestes, notre Créateur, toi le Maître du ciel et de la terre, nous t'invoquons ce matin avant d'écouter cet enseignement sur ce que c'est un enfant de Dieu, pour que tu puisses nous ouvrir l'esprit et que nous comprenions comment marcher sur cette terre en enfant de Dieu, et pour que, Seigneur, nous héritions la vie éternelle que tu as promise à ceux qui marchent sur cette terre comme étant des enfants de Dieu. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, du verset 13 au verset 17. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement, nous allons découvrir à la fin comment être un enfant de Dieu ou quels sont les critères à remplir pour être un enfant de Dieu. Parce que, ne l'oublions pas, que pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être son enfant. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alors, sur cette terre, ou soit on est enfant de Dieu, ou soit on ne l'est pas. Et quand on ne l'est pas, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tout simplement enfants de Satan. Alors, nous allons voir par cet enseignement comment est-on enfant de Dieu. Et chacun, à la fin, va s'examiner lui-même pour découvrir s'il est enfant de Dieu ou s'il est enfant de Satan. Nous venons de lire cette histoire. Un enfant devait naître. Et cet enfant devait s'appeler Jean. Et il devait naître dans quelle famille? Dans la famille de Zacharie et de sa femme Élisabeth, qui était stérile depuis de nombreuses années, demeurant sans enfant. Les gens se moquaient d'eux, alors que Zacharie était au service de Dieu en tant que sacrificateur. Mais quand le moment fut accompli, Dieu lui envoie l'ange Gabriel pour lui dire, « Voici, ta femme sera enceinte. » Et la prière a été exaucée. Et elle enfantera un fils. Et cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse pour toi. Et plusieurs vont se réjouir en sa naissance. Et oui, voyez-vous, un enfant de Dieu qui vient naître sur la terre et qui doit être un sujet de joie et de grande allégresse pour ses parents. Alors, un enfant de Dieu, celui qui va naître sur la terre, dont plusieurs doivent se réjouir de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il va poser des actes dignes de Dieu, des actes qui vont plaire à Dieu. Il va amener plusieurs des enfants de Dieu égarés à se réconcilier avec leur Dieu, leur Créateur. Par cet enseignement,
nous allons découvrir beaucoup de choses. D'abord, qu'un enfant de Dieu, sur cette terre, quand il vient, il doit se mettre en tête qu'il doit être un sujet de joie et un sujet d'allégresse pour ses parents. Alors, première question est posée. Est-ce que toi qui m'écoutes, ou vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que vous êtes un sujet de joie et d'allégresse à l'endroit de vos parents? Quand les parents qui vous ont mis au monde vous regardent ou vous jugent, comment vous considèrent-ils? Ou soit vous êtes un sujet de remords, d'angoisse, et les parents sont tout le temps attristés, les parents sont tout le temps angoissés, inquiets à votre sujet, et ne font que pleurer. Mais celui-ci qui devait naître, lui, il devait être un sujet de joie et d'allégresse. Donc, un enfant de Dieu, quand il vient sur cette terre, il doit se mettre en tête qu'il doit être un sujet de joie, un sujet d'allégresse, et que plusieurs doivent se réjouir de sa naissance. Et Dieu dit, il aura la force d'Élie et il sera aussi accompagné de l'Esprit qui était dans Élie, les Tishbites. Donc il aura le Saint-Esprit et en tant que tel, il ne devra pas boire de boissons enivrantes. Vous qui vous dites avoir le Saint-Esprit, mais vous buvez des boissons enivrantes, vous vous enivrez tous les jours, chaque soir, et dimanche vous allez au culte et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'enivrer, ne peut pas prendre des boissons enivrantes, ne peut pas prendre des produits toxiques qui l'enivrent, qui lui ôtent les sens, les consciences. Impossible. Bien-aimé du Seigneur. Mais avant d'entrer vraiment en détail, vous allez vous rappeler que le Christ est arrivé sur cette terre. Quand le Christ est arrivé sur cette terre, dans Jean chapitre 8, là, au verset 29, voici le Christ, ce qu'il a dit. Le Christ dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Eh oui, voilà encore un enfant de Dieu que Dieu avait envoyé sur la terre et que Dieu accompagnait partout. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Lui aussi, il était le sujet de joie et d'allégresse pour ses parents. Et plusieurs se réjouissaient aussi de sa naissance. Et Dieu était avec lui partout, l'accompagnant partout. Voilà comment est un enfant de Dieu. Mais, alors là, les choses commencent à s'éclaircir. Que chacun de nous s'examine. Est-ce que plusieurs des gens de ta famille sont-ils contents de ta naissance? Ou tes propres parents sont-ils contents de ta naissance? Ou sont-ils tout le temps stressés à ton sujet quand ils entendent des choses qui se déroulent sur ta tête ou que tu accomplis sur cette terre? Est-ce que tes parents sont-ils dans la joie à ton sujet? Est-ce que tes amis sont-ils dans la joie lorsqu'ils te voient? Ou tu es devenu l'objet de stress pour les gens qui te connaissent, pour tes parents? Tout le temps, ils pleurent à ton sujet. Alors, vous allez vous rappeler dans le livre de Ésaïe, au chapitre 1. Là, au chapitre 1, dans le livre d'Ésaïe, voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, en s'adressant aux enfants d'Israël, il dit ceci, à partir de verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Bien-aimé du Seigneur, sur cette terre, Dieu nous envoie pour que nous soyons ses représentants, pour que nous soyons ses enfants. Mais plusieurs d'entre nous ont abandonné Dieu au lieu d'obéir à Dieu pour être le sujet de joie et d'allégresse
et pour que les gens se réjouissent de leur naissance sur la terre. Mais non, ils sont arrivés sur la terre, ils se sont détournés de Dieu qui les a envoyés sur la terre. Ils se sont tournés vers le diable, ils ont choisi la rébellion vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des lois de Dieu. Et comme conséquence, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, finalement, Dieu aussi les a rejetés, il leur a tourné le dos. Et alors, comment est devenue notre vie? Notre vie maintenant est devenue un enfer sur la terre. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous comptons voir comme des prouesses ou des exploits, ça se détourne en déconfiture. Que nous soyons riches, que nous soyons, je ne sais pas, remplis d'argent dans les comptes bancaires, mais nous n'avons pas la paix du cœur, mais nous n'avons pas la joie que nous escomptions, mais nous n'avons pas du tout l'espérance heureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes devenus une frayeur pour ceux qui sont avec nous. Parce que nous ne garantissons pas le bonheur ni la paix parmi ceux qui nous côtoient. Nous sommes devenus des gens dont notre mort est même souhaitée. Bien-aimés du Seigneur, les gens doivent se réjouir de votre naissance et dire, même si tu n'étais pas né, il aurait fallu que toi tu sois né. Parce que tu nous es important. Parce que tu nous es précieux. Mais lorsque les gens qui nous observent découvrent que nous sommes devenus la frayeur pour leur vie, que nous sommes devenus l'objet de l'angoisse, nous sommes devenus l'objet des craintes multiples, c'est que nous sommes passés à côté de la trame. C'est que nous sommes passés à côté de la mission pour laquelle Dieu nous avait créés. Il est grand temps que chacun d'entre nous s'examine. Il y avait beaucoup de gens en Israël qui aussi attendaient l'avènement ou l'arrivée de Messie. Mais Dieu ne les a pas choisis. Pourquoi? Parce que parmi eux, personne n'avait le Saint-Esprit. Personne n'avait le Saint-Esprit pour marcher devant le Seigneur, pour faire convertir les gens. Alors il fallait que quelqu'un naisse avec le Saint-Esprit. Et ce quelqu'un devait être un enfant de Dieu. Et quel est cet enfant de Dieu? Jean le Baptiste. Alors vous comprenez maintenant pourquoi. Que le Saint-Esprit que Jésus-Christ a promis n'a pas promis le Saint-Esprit aux païens, à ceux qui s'enivrent, qui prennent des liqueurs fortes, qui sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, se réjouissant, buvant, s'enivrant. Non, le Saint-Esprit a été promis aux enfants de Dieu, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui croient en son évangile. Ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi il leur a promis le Saint-Esprit quand il est monté au ciel. Et il leur a envoyé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tous les habitants de Jérusalem. Le Saint-Esprit était descendu uniquement sur ceux qui avaient choisi d'être enfants de Dieu. Tandis que Judas Iscariote, qui lui avait choisi la trahison, qui lui avait aimé l'argent, il est allé à la perdition, a trouvé la mort. Il n'a pas eu part au Saint-Esprit. Eh oui, et tu sais que même quand ils ont choisi un autre apôtre pour le remplacer, on a dit, il a abandonné sa mission et il est allé à la perdition. Bien-aimé du Seigneur, voici le moment de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est celui dont sa vie sur cette terre est l'objet de jouissance, l'objet de bonheur, d'allégresse pour ceux qui le côtoient. Quand les gens le voient, ils sentent la joie immense. Ils sont comblés d'espérance à la vue seulement de sa présence. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a ces valeurs nobles qu'incarne le Christ, les valeurs d'amour, les valeurs d'obéissance au Père, les valeurs de crainte de Dieu et de pureté et de sainteté. La plupart des gens aujourd'hui ont fait de Dieu un Dieu de pécheurs. Ils font tout ce que les païens font et ils disent que nous sommes sous la grâce de Dieu. Non, bien-aimés du Seigneur, vous n'êtes pas sous la grâce de Dieu, vous êtes tout simplement pécheurs. Un pécheur doit se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé du Seigneur,
Prenez cet exemple, l'exemple de Jean le Baptiste. C'est comme ça qu'un enfant qui dit être enfant de Dieu doit être sur cette terre. Sur cette terre, nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Nous devons croire l'Évangile. On ne peut pas y avoir de paix sur la terre tant que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit, tant que plusieurs s'enivrent, boivent, et ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut être un sujet de joie, un sujet de paix, parce qu'un enfant de Dieu procure la paix aux hommes. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous si vous êtes réellement enfants de Dieu, parce que vous avez le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, voici le moment de le chercher. Voici le moment d'être réellement enfant de Dieu, de vous repentir, de vous détourner de tout le mal. Et Dieu vous accueillera parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.